Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de découverte. On est ensemble aujourd'hui pendant une petite vingtaine de minutes en post-commentary pour découvrir ensemble le contenu de l'Endurance DLC Pack, une extension sortie pour Air Factor 2 la semaine dernière, le week-end passé. Il y avait d'ailleurs à ce moment-là eu un événement live streamé en anglais avec une course avec plusieurs youtubeurs, j'y avais été convié, ne pouvant être présent parce que j'avais, je crois, à ce moment-là une course du championnat TX3. J'avais tout simplement annulé. J'ai donc pris possession du DLC cette semaine. J'ai pu tester les 5 voitures qui sont présentes. Vous les voyez défiler un petit peu avec le trailer que j'ai récupéré et que je vous présente. Vous avez déjà reconnu sans doute certains de ces bolides. Sachez qu'ils sont actuellement vendus à l'unité pour 4,99€ sur le workshop Steam, ce qui fait un total de 24,95€. Mais si d'aventure vous souhaitez acquérir le pack, les 5 bolides vous reviendront à 14,97€, voilà. Des voitures qui sont toutes issues de la saison 2017 ou 2018, avec pas mal de nouveautés de gameplay, mais on va y revenir avec tout simplement quelques tours au volant de chacune de ces 5 voitures, et je vous présenterai un petit peu ce que je pense du comportement de chacune. N'oubliez pas bien sûr que ces avis restent personnels, et que le meilleur moyen de savoir ce que valent ces voitures, et bien c'est encore d'en prendre le volant vous-même. C'est parti, on entame tout de suite avec le premier bolide. Et on commence cette présentation par la première des deux prototypes dans ce pack, la Norma M30, voiture française, de 2018 avec un moteur Nissan V8 de 5 litres développant 420 chevaux, 900 kg sur la balance, catégorie LMP3, et donc c'est une voiture que l'on peut reconnaître assez facilement de par son gabarit et surtout le numéro sur la portière qui est de couleur mauve, caractéristique de cette catégorie. Tout de suite, j'attire votre regard sur le flanc des voitures, des 5 voitures. Vous verrez des numéros digitaux qui sont présents. Ça, c'est une petite nouveauté bien sympathique qui a été instaurée avec ces voitures. Alors, on va parler évidemment de chacune d'entre elles. On commence tout de suite donc par cette Norma M30 qui évolue sur le circuit de Suzuka dans des conditions pluvieuses. Je l'ai testé également sur le sec, je vous rassure. C'est pour ça d'ailleurs que le pack a été un peu long à être présenté. Cette voiture donc est une LMP3 qui a la particularité de ne pas disposer de traction control et d'anti-blocage des freins. Voiture qui évolue notamment en ELMS, le championnat d'Europe d'endurance, qui n'est pas présente au Mans par exemple. Voiture donc qui a été développée en compagnie de l'équipe Duquesne, qui fait évoluer ses voitures au sein de différents championnats, dont le LMS bien sûr. Donc cette voiture, je vous le disais, a une puissance de actuellement 420 chevaux pour 900 kg. Un V8 extrêmement couplé. Alors sachez qu'en LMP2, la particularité c'est que tout le monde a à peu près le même châssis et le même moteur. C'est un moteur Cosworth qui est là, donc le moteur britannique. Il y a différents constructeurs dans cette catégorie, mais il est vrai surtout que la Norma M30 a été très popularisée depuis sa sortie. Alors une voiture qui est assez particulière à conduire, donc certains pourraient penser que par son gabarit et le reste de ses caractéristiques et sa forte dépendance à l'aérodynamisme pour passer les courbes, eh bien elle n'est pas du tout agréable à conduire et elle manque de puissance. Eh bien, bien du contraire, les 900 kg qui sont ici quasiment identiques à ceux que l'on a sur une LMP2, pour vous donner un comparatif avec l'Oreca qu'on testera plus tard, elle a simplement à peu près 200 chevaux supplémentaires. Pour le reste, ce sont quasiment les mêmes caractéristiques, si ce n'est évidemment donc la puissance du moteur installé à l'intérieur. C'est vrai que au niveau des dimensions, c'est un peu différent. Sous la pluie, voiture donc extrêmement facile à piloter, dans le sens où elle n'est pas surprenante, pas de décrochage, elle passe rapidement en courbe, on peut la piloter avec beaucoup de confiance. Je pense que si vous souhaitez vous lancer dans les courses d'endurance, ou en tout cas piloter un proto avant de prendre peut-être une LMP1 sur iRacing ou sur d'autres jeux, ça pourrait être sympa de tester cette voiture. Particularité de la conduite, donc je vous le disais, pas mal de grip, hein, donc vraiment très très agréable à piloter sur les circuits comme Suzuka, que ce soit d'ailleurs sur le sec ou sur le mouillé, avec toujours cette capacité à passer rapidement dans les courbes, un train avant très précis, on peut la placer comme l'on veut. On voit ici que la météo d'ailleurs va un petit peu s'améliorer, le retour du soleil. Alors oui, il y aura peut-être quelques lags dans la vidéo, je m'en excuse d'avance, vous le savez, Air Factor 2 est quelque chose d'assez compliqué à gérer pour moi. En tout cas, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser profiter également du son des bolides en vue intérieure et extérieure avant la fin de chacune des présentations. En tout cas, à choisir avec la LMP2, si vous êtes débutant, c'est une très bonne arme pour vous faire vous familiariser. Sachez également que pas mal de ligues vont sans doute switcher sur ces voitures, en plus des voitures du pack Enduracers qui a été mis à jour également il y a quelques mois de cela. Donc ça peut nous donner une hiérarchie très sympathique pour un championnat. Le LMP3, donc facile à piloter, facile à comprendre, pas mal de choses à régler sur les voitures, donc ça apprend aussi
à faire le setup. Et en tout cas, c'est une voiture que je vous conseille vivement. En tout cas, première bonne surprise de ce Endurance Pack sur Air Factor 2. Continent, si vous le voulez bien, et on enchaîne tout de suite avec la BMW M6 GTE. Cette voiture est en exclusivité dans Air Factor 2, vous ne l'avez encore vue nulle part. Elle n'est disponible sur aucune plateforme actuellement, donc c'est une exclusivité que nous propose Air Factor 2 de pouvoir piloter cette voiture dans ces conditions. Une voiture qui a débuté sa carrière cette année, en 2018, lors des 6 heures de Spa-Francorchamps. Première année difficile, on est après les 24 heures du Mans, et dans cette super season, eh bien, il y a encore beaucoup de travail pour BMW qui a été victime de la BOP, un peu à l'image d'Aston Martin. Et on sait qu'il y a encore énormément de travail. Ensuite, il y a eu la fuite des talents. On sait que beaucoup de pilotes ont quitté l'équipe BMW pour partir ailleurs, à l'image de Maxime Martin par exemple. Et on s'est vite retrouvé avec beaucoup de pilotes DTM qui n'étaient pas forcément familiers avec l'endurance. Donc une voiture, vous l'avez vu avec le petit insert, et qui est donc une voiture de 1220 kg avec son V8 de 4 litres. Une voiture qu'on considère beaucoup comme un paquebot. Elle succède à la Z4, la GT3. Cette voiture devait également exister en version GT3, mais finalement c'est la M6 qui a été retenue à l'époque. Celle-ci a été spécialement développée pour le championnat GTE. Petit détail, donc c'est la première fois que l'on l'a au volant de cette voiture dans un jeu de simulation. Cette voiture est prévue d'ailleurs pour d'autres jeux, mais pas encore sortie. Peut-être, pourquoi pas, sur iRacing ou Project Cars 2. En tout cas, il y a encore matière à la voir débarquer dans d'autres plateformes. Pour l'heure, on est donc sur le circuit José Carlos Pace au Brésil, donc l'autodrome Interlagos. Circuit très court, très vallonné, qui ne correspond pas très bien à cette voiture. Alors pourquoi je vous la montre ici? Parce qu'en fait, on va très vite se rendre compte du problème de cette BMW. C'est le manque d'information du train avant. Alors effectivement, pour entrer dans les S de Senna ou dans les enchaînements du deuxième partiel, eh bien, il faut arriver à bien la régler. Et ça va passer par pas mal de minutes, voire d'heures, de réglage entre les roulis, les tangages et le reste. Beaucoup de mal à mettre au point le train avant pour avoir quelque chose de linéaire, de fluide et de réactif. On est obligé, voilà, ici je suis avec un setup qui est assez peu travaillé. Je dois vraiment m'arrêter dans certaines courbes, je ne peux pas attaquer sous peine de perdre l'arrière. Et donc, voilà, c'est pas la voiture la plus simple que j'ai eu à conduire dans ce pack. Après, c'est une GTE. Il y a d'autres GTE qui sont également disponibles dans ce pack. Il y a la Corvette et la Porsche. Pour moi, la BMW est peut-être la moins caractéristique. Attention, je n'ai pas dit qu'elle était mauvaise, mais bien, elle est bien la moins caractéristique, ce qui signifie tout simplement qu'elle ne m'intéresse pas plus et que, même en tant que BMiste, j'étais un petit peu déçu de son comportement. Je m'attendais à mieux, mais finalement, ça reste quelque chose de très passable et de très facilement oubliable. Est-ce que vous avez entendu ce son? Nous sommes désormais sur le circuit de Silverstone en Angleterre, cadre du Grand Prix évidemment de Formule 1, mais pas seulement, avec une manche en WEC qui verra donc tourner ces magnifiques Porsche 911 R2 GTE.
E, voiture de 4 litres, 460 chevaux, 1235 kg sur la balance et un son absolument sensationnel. J'ai eu l'occasion de me rendre aux 6 heures de Spa-Francorchamps en mai dernier et c'est vraiment la seule voiture du plateau qui fait un bruit vraiment à donner des frissons. Alors, particularité de cette Porsche, il y en a quelques-unes. On va tout simplement préciser que c'est une voiture pour la première fois qui est dotée d'un moteur central arrière. Hein, donc, c'était une première pour Porsche. Ce qu'on peut être sûr, c'est que le son est réussi. Clairement, je crois que c'est une des voitures où je vous laisserai le plus profiter du son à l'intérieur et à l'extérieur de ce bolide. Tout simplement parce que c'est très réussi. L'intérieur, vous le voyez ici, est très complet, évidemment. Je n'ai pas parlé encore des intérieurs des voitures, mais globalement, c'est très réussi. Vous n'avez pas à vous angoisser de cela. Les voitures sont parfaitement réalisées en modèle 3D. Au niveau du force feedback, je trouve que cette voiture est celle qui nous offre le plus d'informations dans son comportement. Alors certes, c'est la seule des voitures à avoir ce moteur positionné de la sorte. La BMW a le moteur à l'avant, et la Corvette également. Ici, on a un moteur central et ça donne une balance extrêmement particulière à la Porsche qui permet de se sentir au volant d'une voiture déjà de base parfaitement équilibrée. Et la performance se recherchera plus dans les réglages aérodynamiques que dans les réglages vraiment du maintien de la voiture en piste. Voiture très simple, si vous devez choisir une des trois GTE pour débuter, eh bien c'est sans doute celle-ci qui sera la plus à votre portée. Je préconise la Corvette hein, pour les plus expérimentés, car celle-là restera la plus capricieuse des trois. En tout cas, j'ai voulu tourner sur ce circuit de Silverstone avec uniquement des Porsche, tout simplement pour profiter un petit peu de ce son. Alors certains vantent certains modes d'Assetto Corsa en tant que meilleur son. Je trouve personnellement que c'est l'endroit où cette Porsche a le son le plus réussi, bien devant iRacing, même si la version GT de Race Room est assez convaincante, ça n'est pas une GTE, ça n'est pas celle-ci. Celle-ci est tout simplement géniale. Si vous n'aviez qu'une voiture à acheter dans ce pack pour avoir une expérience vraiment sympa et où je pense elle sera assez popularisée sur les serveurs, eh bien choisissez cette Porsche, vraiment. Non pas par sa facilité, ce n'est pas un argument d'achat, mais bel et bien par son comportement, tout simplement. Force feedback précis, je vous le disais, l'ambiance sonore est parfaite, on peut travailler parfaitement en pilotant à l'oreille, ça pose pas de problème. Et puis, elles sont magnifiques. Je trouve que c'est la plus belle de toutes. Peut-être que mon cœur de passionné vacille un petit peu plutôt que la neutralité dont j'essaie de faire habituellement foi. Mais là, franchement, c'est juste du pur kiff de la voir rouler, juste la voir rouler parce qu'elle est réalisée parfaitement. Et quand on se place en vue TV comme c'est le cas maintenant, je vais vous laisser en profiter un petit peu, on a vraiment la sensation d'être en bord de piste et je pense que c'est l'atout de cette Porsche, au-delà de son comportement parfaitement réussi. On retraverse un continent en direction les États-Unis pour une vidéo qui sera un peu plus courte. Nous découvrons ensemble sur la piste de Sebring la fameuse Corvette C7 GTE 1245 kg pour son V8 extrêmement couplé de 500 chevaux, la plus puissante des trois GTE disponibles. La Porsche, elle, culminait à 460 bourrins. Alors, vidéo un peu plus courte, pourquoi ? Je vous explique brièvement, j'ai tourné cette scène et visiblement, la Corvette a décidé de laguer, donc c'est-à-dire qu'après quelques tours, la vidéo s'est ralentie sans raison. Donc j'ai préféré vous éviter du ralenti à répétition.
mais vous allez pouvoir voir les images un petit peu de cette voiture malgré tout. Alors donc cette Corvette, très très particulière, donc voiture qui a débuté à Daytona en 2016 avec notamment cette photo finish incroyable, hein, on en parle d'ailleurs dans le descriptif de la voiture. Victor Roman, c'est assez impressionnant dans sa catégorie indépendante, voiture qui avait été utilisée notamment par l'équipe française L'Arbre Compétition de Jacques Lecomte. Statistique assez incroyable, 107 succès pour 202 courses effectuées pour la Corvette. Corvette est un nom légendaire et elle s'exprime parfaitement sur les circuits américains. Je ne l'ai pas testé au Mans, mais je l'ai testé sur Road America, Road Atlanta, Sebring et j'ai été, je crois, faire un tour ailleurs, mais je ne sais plus où. Au Virginia Raceway, voilà. Le Virginia Raceway qui est ressorti récemment. Sensation très convaincante de cette voiture, mais effectivement, c'est ce qu'on appelle une vraie voiture de simracer. C'est-à-dire que là, eh bien, il va vous falloir travailler. Le couple du moteur ne fait pas tous les passages en courbe et toutes les relances. Il faut effectivement doser, surtout sans assistance, notamment à la stabilité, hein, qui est la caractéristique de ces GTE, hein, des voitures vraiment brutes de décoffrage, vraiment beaucoup plus violentes que ce que peuvent être des GT3. Ça donne des sensations très très hard et vraiment des simulations. Alors on dit souvent qu'Air Factor 2 et iRacing se partagent la meilleure physique actuellement du marché, en tout cas en ce qui concerne les GT. Je trouve cette voiture extrêmement réussie pour Air Factor 2. Je trouve que c'est sans doute une des voitures qui correspond le plus à ce que doit être Air Factor 2, une voiture qui donne énormément d'informations quand on la pilote. On n'est pas surpris par son comportement, même si on peut se faire piéger, attention. Mais globalement, ça reste une voiture parfaitement convaincante, en tout cas. J'ai pris beaucoup de plaisir à la piloter, même si parfois eh bien, j'ai été sanctionné par mon manque de concentration. Il ne faut pas se louper avec cette voiture. Sonorité aussi très réussie, hein, j'en parle peu du son à part pour la Porsche, mais ici aussi, en extérieur et en intérieur, on sent vraiment toute la vibration et le cœur de cette voiture. Il n'y a pas d'autre mot pour la décrire. Précision sur ce que j'ai dit tout à l'heure, celle-ci est bel et bien moteur arrière, tout comme la Porsche. Évidemment, et non pas comme j'ai pu le dire tout à l'heure avec uniquement l'ABM et celle-ci en moteur avant. Particularité donc de son équilibre, c'est qu'elle est sans doute peut-être un peu trop difficile à entrer en courbe de base, donc il faudra bien travailler à ce niveau-là, bien sûr, mais cette fois-ci c'est peut-être du survirage plus que du sous-virage, comme c'était le cas sur la BMW. Une fois de plus, je précise que tout ceci est ma propre expérience uniquement, donc vraiment une Corvette pour les gros cœurs et les gros bras. Allez, on revient en France, si vous le voulez bien, pour conclure avec sans doute la voiture la plus rapide de ce pack, l'Oreca 07 LMP2, voiture équipée d'un moteur V8 4 litres 2 de 600 chevaux pour 900 kg sur la balance. Et la LMP2 qui est ici présentée sur le circuit Paul Ricard, évidemment, c'était un petit peu à la mode ces temps-ci de ressortir le tracé du Castellet. Alors, une LMP2 qui a été développée par Studio 397 en compagnie de Dragon Speed, Jackie Chan Racing et une nouvelle fois de Duquesne Racing. Donc trois équipes qui ont été quand même assez résolument impliquées dans les bons résultats ces dernières années sur les grandes épreuves du calendrier WEC notamment, et en LMP2 la lutte est âpre avec également le même moteur pour tout le monde, hein, c'est assez précis. Effectivement, il y a d'autres constructeurs, il y a Ligier, il y a Gibson, il y a pas mal de choses à préciser. En tout cas, cette Oreca 07 donc est très impressionnante. Ce qu'il pouvait peut-être manquer à une LMP3 est ici comblé, c'est-à-dire la puissance. Et ça permet de passer de manière très rapide. Je pense que la courbe de signe, à la fin, ça passait pied à fond sans aucun problème. Vraiment, avec l'aéro qui va bien, évidemment, réglé. Mais vraiment, c'est une très très bonne surprise, cette LMP2. Une nouvelle fois, je voulais préciser un petit message qui est noté sur le site, évidemment, Air Factor 2. Certains vont se demander, oui, mais nous, on veut peut-être des LMP1. On sait qu'il y en a quelques-unes qui sont sorties, sur iRacing notamment. Air Factor 2 a expliqué que, en tout cas, ses développeurs, avec la refonte totale de la réglementation pour 2020 et 2022, il n'y aura tout simplement pas d'LMP1 développé par les
dev officiel d'Air Factor 2 pour le titre. Pourquoi ? Parce que eh bien, on va se concentrer sur le futur et effectivement, pourquoi pas, essayer de récupérer une licence ELMS, sachant que le LMP1, ou en tout cas le WEC, va bientôt partir du côté de Forza Motorsport 7. Si vous n'avez pas eu l'information, cela a été évoqué pendant les 24 heures du Mans. Revenons à cette voiture, donc une voiture qui se sent parfaitement à l'aise sur l'ensemble des courbes de ce circuit Paul Ricard et sur les dénivelés qui sont présents sur cette version du circuit. Sincèrement, pas de grand chose à redire, très efficace sur les freinages lents, très efficace à la relance, beaucoup d'aspiration, facilité également de régler les différents composants. Le bruit du V8 est vraiment sympa pour les avoir vu passer une fois de plus en vrai, je sais que j'en parle beaucoup du fait de les avoir vus en vrai, mais ce n'est pas d'avant-tardi, c'est juste du comparatif à l'oreille, je ne compare pas à autre chose parce que je ne les ai pas pilotés, de toute façon je ne rentre pas dedans, mais sachez que c'est vraiment quelque chose qui peut correspondre à ce qu'est piloter une LMP2, sincèrement. On a beaucoup d'informations, je le répète une nouvelle fois, et c'est peut-être la voiture la plus performante de ce pack, et sans doute celle qui vaut le plus le coup si vous deviez l'acheter à l'unité avec la Porsche. Alors on va vous laisser profiter évidemment de cette piste, et on reviendra tout à l'heure pour conclure un petit peu. En tout cas, cette LMP2 est aussi convaincante, donc globalement, un pack plutôt réussi. Voilà donc pour quelques plans en extérieur et en intérieur de ces 5 voitures. J'espère que ça vous aura informé, que ça vous aura plu. Alors, faut-il acheter ce pack ? Je vous conseille vraiment, si vous n'avez pas encore craqué, de peut-être jeter un coup d'œil du côté du mode Enduracer. Enduracer est un mode gratuit disponible sur leur site. Je vous le mettrai dans la description. Et si d'aventure ces voitures-là vous plaisent et que vous souhaitez étoffer votre expérience d'endurance, eh bien, allez craquer pour le pack. Effectivement, si vous devez craquer à l'unité, ça vous reviendra beaucoup plus cher, donc 10€ plus cher. Mais je vous invite quand même à aller regarder ce que ça vaut. Si jamais vous souhaitez investir dans une voiture, je vous conseille la Porsche en GTE, vraiment la Porsche. Et cette LMP2 qui est très réussie. Merci une nouvelle fois à notre ami René Butler qui a pu me mettre à disposition ce pack pour vous le présenter. Rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez testé ces voitures, si elles vous plaisent ou non. Rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. À la prochaine, ciao.